Parti sur une petite game de Caitlyn avec une Annie support, le champion a été rework, enfin rework, a été hard buff dernier patch, donc du coup je pense que vous en croisez pas mal, c'est très 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 fort. Et avec Caitlyn c'est plutôt pas mal pour Link des trappes avec le stun. On joue contre Xayah Rakan, donc c'est une botlane très forte. Pour les lots de la game, là on joue contre du haut platine. Donc voilà, on va essayer de choper le platine 4, on a un très bon winrate sur une bonne série aujourd'hui. Voilà, lui il prend la maximum. On leur met une bonne pression pour l'instant, c'est pas mal. J'ai failli le tuer sur ça. Xayah joue avec un heal, je vais pas flash in auto. Je le tuerai pas. On va faire attention, la Cassio a peut-être Romo bot là sur ça. Non. On met la pression, on a la prio. Moi j'avais le cause à pas décal sur ça. Il a pas de verre ou quoi? Ok. Ouais, le level cause a pas été très bon sur ce move. Bon. Moi je vais faire système Gale Force. Tac. Ok, ça va, j'ai réussi à mettre 2-3 dégâts quand même en trade back. Ah, le problème de jouer avec une Annie, c'est vraiment qu'en trade back, c'est pas non plus 100% ça. Ah, le trap va passer. Double kill pour moi, incroyable. Incroyable de chez incroyable ce move. Ma Caitlyn est juste bénie des dieux les frérots. N'hésite pas en tout cas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne si tu kiffes mon contenu mon frérot, ça fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément à step up. Ok, on lui met un bon petit chunk ici. On va reset malgré tout. Ils vont freeze, mais bon, j'ai Gale Force à la base. Moi, je vais rien grid du tout. J'ai mis un bon tarif ici. Allez, au revoir. Allez, elle a trollé, j'ai jamais vu ça. Elle savait pas que quand on cancel mon R, je l'ai dans 5 secondes après. Let's go. Petite first war pour moi.
Hop là! C'est pas qu'on puisse la tuer, mais bon. Je vais donner le kill à Vel'Koz. Ah, c'est dommage qu'Annie le prenne là. Bon, d'accord. Je me suis pris un mordeux énervé sur la tête. Par contre, son E m'a ramené à travers le mur, les gars. Je crois que j'ai jamais vu cette interaction. Je savais même pas que c'était possible. C'est un peu abusé quand même. Je crois pas que c'est legit, mais bon. Oh, par contre, le Vel'Koz qui a 4 personnes à taper qui rate tous ses spells. Non, ok. Ken qui a pas utilisé son R. Enfin, qu'il a déjà utilisé. Oh, s'il te plaît, là-haut, il fait un truc ici au moins. Les gars, faites quelque chose, je vous en supplie, ils ont 4 HP tous! Non. Je l'ai atomisé, gros. On va lui mettre 2-3 dégâts, lui, au passage. Let's go! Est-ce qu'on n'est pas en train de carry cette game, les gars? Eh oui! Ma Caitlyn! Allez, elle meurt, elle a pas voulu R, je sais pas pourquoi. On va prendre la T2 sur ça. On a notre Infinity Age, my brother. Il s'attendait pas à ses dégâts, lui, je crois. On leur met un bon tarot quand même ici. Plus de R sur Xayah. Ah là là, la team qui choke encore et encore. On le tue, non? Voilà, on l'a tué. Allez, on force le baron là, je suis trop fide les gars, s'il vous plaît. Let's go, on prend le baron sur ça. Rakan était sur moi forcément. Ouais, bah why not Kane? C'est vrai que c'est mieux de...
Oh, s'il vous plaît, tuez-le, je vous en supplie, faites un truc là. Je sais pas pourquoi le Kane a ulti. Et là où il se fait ravager, bah oui. Hein. Ah mais c'est trop grave ce qui me met le mordeux en vrai. Le mec il m'a mis un Q. Il m'a mis 1233 là. Ouais bah... Là, il le tue normalement. Il meurt même pas. C'est quoi ce crack? Ouais bah forcément, au moment où je go in pour aider la Annie, c'est moi qui prends tout forcément. Forcément, forcément, oh là là, cette game elle est tellement dure, on a une Illaoi AFK Sai qui sert à rien gros, elle a toujours pas pris une tour de la game. Il l'a touché hein, il est pas mort. Ah, oh, close. Je manquais une nationale. Ok, ça va, je m'en sors grâce à ma cleanse. Allez hop, au revoir toi. Plus de Rakan, plus de problème. En vrai, je peux me les faire. Ok, let's go. La question est là-bas, faut la chase. Ils m'ont pas vu, hein. Let's go. Ça flingue. Ça flingue, ça flingue.
que Kane s'en sorte. Oh putain, ce perso de merde. Bien joué ça. Normalement il devrait mourir le mordeux sur ça. Let's go. Et ils peuvent pas défendre la base. Ok, le Graves est là. Let's go. Bon, je me suis un peu fait détruire dans ce fight en vrai. Bien joué la team. Bien joué la team, bien joué la team. En vrai, j'ai vraiment tenu leur league game. Ils font le taf en late game, le Kane et la Annie. Ils peuvent pas défendre ça. Let's go. Bah les gars, je crois que c'est le passage platin dans ce Loser from Challenger. On passe un stade encore. Let's fucking go. Putain, je pensais pas qu'elle était gagnable cette game. Mais honnêtement, on a fait le taf et notre team a bien suivi. On a réussi à faire ce qu'il fallait pour gagner. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu mon gars. On va regarder ensemble cette petite animation du passage en platine. Et voilà, platine 4. Sans avoir à faire le BO bien sûr, parce qu'on a un bon MMR pour ceux qui se posent la question. Et voilà, on est en 29-17, platine 4, 1 LP. On a commencé ce compte il n'y a même pas une semaine et demie. Donc voilà, on a les 3 honneurs, well played team. C'est tout ce que j'ai à dire ici. On a fait quand même beaucoup de dégâts, 58 000 dégâts dans la game. On est top damage. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura donné des envies de jouer Caitlyn, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire et me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite. Je vous fais des bisous les frérots et surtout, like et abonne-toi.